Ainsi, le prince a échappé à la mort. Et l'anneau, où est-il passé? Une Afreya l'a emporté dans sa fuite. Trouvez-la au plus vite, et tuez-la! Je n'ai besoin que de l'anneau. Il serait plus avisé de la capturer. Comme vous le savez, les Six possèdent des pouvoirs inouïs. Et c'est par le biais des serments de l'oracle que ces pouvoirs sont accordés au roi élu. L'étudier vivante serait plus profitable, ne pensez-vous pas, mon cher grand commandant? Sir Gravius, vous êtes désormais à la tête de l'armée impériale. L'auriez-vous oublié? Cependant, nous devons d'abord les débusquer, elle et le prince. N'ayez crainte, votre éminence. Je ne connaîtrai de répit que lorsque nous les aurons retrouvés. La lumière... je la vois... dans le cristal. Ah, les grands espaces, j'adore ça, moi. Ouais, on va enfin quitter cet endroit poussiéreux. Les régions que l'on va traverser sont encore plus vastes que celles de l'île. C'est cool, ça. Plus grand, ça veut dire plus de trésors. Nous allons d'abord rejoindre Duskae, célèbre pour ses marais. Des marais, passionnant. Il y a aussi une forêt de chocobo. T'as dit chocobo ? Plus à l'ouest, c'est la région de Klaigne. C'est là-bas que se trouve la ville de l'Estalon. C'est là que s'est réfugié Iris, n'est-ce pas ? Ouais. Si tout s'est bien passé, elle devrait déjà y être. Elle a peut-être même déjà vu le météore, si ça se trouve. Le météore légendaire ? C'est ça. Mais c'est maintenant la source d'énergie de l'Estalon. C'est vrai ? Mais c'est une super idée, ça! Je dois avouer que ça m'intrigue, cette histoire. Ça risque d'être un long voyage. On fait le plein maintenant? Je pense que désormais, on connaît bien la région. Noct, si t'as envie de conduire, je t'en prie, prends le volant. Qui ça peut être? Allô? Noct? Iris? C'est vraiment toi! Quelle joie de t'entendre! Tout va bien ici. On vient juste d'arriver à l'Estalum. On s'est installé dans un hôtel. C'est plutôt sympa. J'espère que vous pourrez venir nous voir. Ouais. D'accord, c'est promis. À plus tard! C'était Iris? Et elle appelle même pas son frère. Eh bien, à sa décharge, on n'a pas encore annoncé ta mort dans tous les journaux. Et moi alors? Elle a demandé de mes nouvelles? Vous avez vu ça, les gars? Il y a un parc de chocobos! Oh là, du calme. Faut qu'on aille à l'Estalum. Allez, il n'y a rien qui presse. On peut faire un détour. Ouais, ok. Allons voir ça. Non! Ça va être trop cool! Ah! Bienvenue! Merci.
Merci. Au plaisir de vous revoir. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. C'est un fou des piafs, lui. Oh, vous savez, il y a pire comme fétichisme. Bien le bonjour. On aimerait louer des chocobos. Louer des chocobos? Désolé, mais en ce moment, ça va pas être possible. Il y a un béhémoth qui rôde dans la région. Une bête féroce qu'on a surnommée Morteuil et que personne n'ose affronter. Nos animaux sont terrorisés. Et je refuse de risquer leur vie, alors pas de location pour l'instant. Cela dit, vous m'avez l'air de gars capable et débrouillard. Alors peut-être que vous pourriez vous charger de lui. Bien sûr, je vous récompenserai. Je ne veux pas vous forcer la main, mais... pensez-y quand même. Dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse? Tout va bien? Vous arrivez à tenir le coup? Ces affreuses bestioles nous causent bien du souci. Je vous souhaite bon courage. Une info sur la région? Bonne chance.
Noct, regarde un peu. C'est quoi ? Pas mieux cadeau de Chocobo. Oh. J'arrive pas à me la sortir de la tête. Bon, c'est le moment. Prompto, on y va, là. J'arrive. Noct, on ferait bien de rejoindre les Staloum au plus vite. Ouais, c'est pas la peine. C'est quoi ? Quelque chose cloche. Allons voir. Des bêtes sauvages, je préfère les chatons. Ah, laisse plutôt parler ton arme. Et de quel côté ? Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Quoi ? Tu t'as rien demandé ? Ne dis pas ça ! Belle performance, Noct ! Merci. Inutile de traîner par ici. Oui.
Non. Bien son œil droit et une corne. On le surprendra sur son flanc droit. Poursuivons-le. Redoublons de prudence. Il est là. On se le fait. Non.
Il doit se diriger vers sa tanière. On va le suivre discrètement et on l'attaquera là-bas. D'accord. Alors, pas un bruit. On a à peine transpiré.
Yeah!
J'ai cru qu'on t'avait perdu. Magnifique. Maintenant que j'y pense, c'est exactement comme dans King's Knight. Pardon ? Bah, on est quatre, comme dans le jeu vidéo. Ouais, sauf que moi, j'ai un niveau 5 étoiles. Tu rigoles ? S'il y a 5 étoiles, c'est pour moi.
Je dors mieux dans un endroit civilisé. Perso, moi j'aime bien le camping. Mais c'est sûr qu'on est plus en sécurité ici. C'est vous qui nous avez débarrassés de Morteuil. Vous êtes des héros. On vous doit tous une fière chandelle. Merci du fond du cœur. On peut louer des chocobos alors ? Quelle question, évidemment ! Et je vous prêterai mes meilleures bêtes. Merci. Vous nous avez sauvé la vie. Super ! Noct, je veux monter sur un chocobo ! Je dors debout. Appuyez pile au bon moment. Waouh, elle est cool celle-là. C'est vrai, je l'aime aussi. Non, calme-toi. Bon, ok, tiens. Noct, ça va ? En douceur. Ben dis donc, je savais pas que Cor était si balèze. J'aimerais pas être son ennemi.
Ignis, combien il y a d'armes royales? Autant que de rois d'antan. Mais toutes ne sont pas forcément intactes. Une vraie chasse au trésor! Sympa la balade. Prêt à repartir, les gars? Ça oui! Allons-y! Hé, hey, Noct! Dis, y a pas un truc que tu voudrais que je prenne en photo? Bah, je sais pas, une photo de moi? Ok, je m'en occupe! Allez, prépare-toi! Non, arrête, ça va, je déconne là! C'est le disque de Kotès. Dis, Noct, si on prenait une photo avec le météore? Ouais, bonne idée. Ok, et ben on y va. On a besoin d'exercice. Tiens, tu fais une belle photo? Bien vu! Je prends ça en photo. Allez, un petit clic! Ça, c'est une photo qu'on devrait garder. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Ok, on y va. J'ai déjà dû te demander, mais tu trouves ça vraiment bon, les bonnets? J'ai dû le dire maintes fois, mais oui, excellent.
Leur tunnel, il est trop beau. Mais qu'est-ce qui nous attend au bout ? Cette ville. J'avoue que la vie de citadin, ça me manquait un peu. Oh, un téléphérique ? Étonnant. Je me demande où il peut bien aller. Il fait super chaud ici. Ce serait bien de trouver un endroit climatisé. Ouais. Dites, ce serait possible d'avoir une jolie chambre cette nuit ? Oui, je pense que nous devrions trouver un établissement hôtelier digne de ce nom ici. Y a quelqu'un d'autre qui a une soudaine envie de cup noodles ? On pourrait en acheter si tu veux. Pourquoi pas ? Ça peut toujours servir. Ok. J'ai rien contre. Alors c'était pas une blague ? Le disque de Cotes est en feu ? Mieux vaut rester à distance. Dis donc, il y en a du monde ! J'imagine que nous nous trouvons dans l'artère principale. Apparemment, elle est à l'hôtel Les Villes. On y va. Bravo pour la promotion de ta femme. Tu dois être content. Un bof. J'ai peur qu'elle fasse encore plus la chef à la maison. Ces tremblements de terre. J'espère que le sol est quand même resté stable. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas mauvais ici. Je trouve que tout a un peu le même goût. T'en as pas marre, Force ? Moi, jamais. Je suis folle de cet endroit. Dans ce cas, on mangera pas souvent ensemble. Moi, je te le dis. Oh, c'était quoi ça ? Un tremblement de terre ? Ça va ? Je comprends pas. Ah, un violent mal de tête. Ça va mieux ? Ouais. C'est passé. Iris ! Formidable ! Qui aurait pu croire qu'on se retrouverait ici ? Eh ben dis donc, t'as l'air en forme ! Mes pauvres, vous devez être épuisés. Dites, vous allez rester un peu ? C'est ce qu'on a prévu. Quand t'auras une minute, faudra que tu me racontes tout. Ok. Content de te revoir, Jared. Et toi aussi, Talcott. Prince Noctis, t'inquiète pas, je protège Iris. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas inculqué l'étiquette à mon petit-fils. Y a pas de mal. Ces mots nous vont droit au cœur, Votre Altesse. Nous nous retirons avec votre permission. Prince Noctis, passe une bonne nuit. Iris, dis-moi, il y a eu beaucoup de dégâts ?
En fait, la citadelle et ses environs ont été bombardés. Mais de nombreux quartiers de la ville sont restés intacts. Ah, l'Empire visait donc bel et bien des points stratégiques. Franchement, si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Ah, merci. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, j'ai entendu une rumeur. Les gens disent qu'ils ont vu Dame Luna Freya en ville. Mais il paraît qu'elle est repartie aussitôt. En tout cas, elle allait bien. Ça me rassure. Merci. Bon ben, je vous souhaite une bonne nuit. Salut. Où sont les autres ? Ils sont partis faire une balade avec Talcott. La ville vaut le coup d'œil. D'ailleurs, tu veux la visiter ? D'accord. Ouais, bonne idée. Tu vas voir, je suis un bon guide. Ça valait le coup d'attendre qu'il se réveille. Allez, promenez-vous bien. On va commencer par visiter le marché. Ça te dit ? La nuit, c'est vraiment un endroit superbe ici. C'est vrai. Marché de Partelum. Ils ont tellement de choses. C'est sympa, non ? Si je pouvais, j'achèterais tout. Ouais, oh, c'est passionnant. Oh, tu pourrais quand même faire semblant d'être content. Waouh, t'as vu tous ces produits ? J'en avais jamais vu autant. Dis, tu peux me laisser regarder ? Une seconde. Terminé. Bon, maintenant, la centrale. Alors, c'était pas une blague ? Le disque de Cotes est en feu ? Mieux vaut rester à distance. Bravo pour la promotion de ta femme. Tu dois être content. Un bof. J'ai peur qu'elle fasse encore plus de chèques à la maison.
Alors, Noct, tu comptes faire quoi quand on sera à Kaem? Hein? Eh ben, on va prendre le bateau pour aller à Alticia. Ah, d'accord. C'est vrai qu'on t'y attend. La centrale électrique, c'est de là que les Staloum tirent sa richesse. Ce qui est spécial, c'est qu'il n'y a que des filles dans cette centrale. En fait, j'ai découvert que ce sont les femmes qui font tourner les Staloum. C'est l'endroit idéal pour toi. Tu serais une vraie star ici. Tu penses aussi? C'est différent de chez nous, mais ça a l'air de fonctionner comme ça. C'est cool! Ok, on y va. Allons voir un beau panorama. Leurs maisons sont différentes des nôtres, mais elles ont un certain charme. Oh. Alors c'était pas une blague, le disque de Kotès est en feu. Mieux vaut rester à distance. J'aimerais tellement faire un tour en voiture. Ouais, pourquoi pas. C'est joli, n'est-ce pas? Ici, c'est le belvédère de Peglar. Regarde là, on peut voir le météore. Noct, j'ai l'impression qu'on a un rendez-vous en amoureux. Si c'était le cas, ton frère me tomberait dessus. Pourtant, on fait rien de méchant. En plus, tu dois avoir Dame Lunafreya en tête. Les autres ont dû rentrer à l'hôtel. Tu veux qu'on aille les retrouver? Cette boutique, c'est un de mes lieux préférés. Ah ouais? C'est dingue le monde ici. Ils ont de super bonnes boissons. Tu devrais essayer. À l'occasion, ouais. Bravo pour la promotion de ta femme. Tu dois être content.
Je me demande si les autres sont déjà rentrés. On s'était plus promenés comme ça depuis notre enfance. C'était sympa. Merci beaucoup. T'as raison. C'était cool. Merci à toi. T'es gentil. C'était bien de nous changer les idées. Enfin, bref, ce que j'ai acheté, c'est un cadeau pour toi. Mais comme c'est une surprise, tu vas devoir attendre. Ah, les revoilà! Allez, vas-y, mon petit Talcott. Dis-leur ce que tu m'as raconté. Ok, mec. Talcott, un peu de respect. Pas besoin de manière, je ne suis qu'un citoyen. Je vais parler d'une légende qui dit que l'épée d'un roi a été cachée derrière une chute d'eau. Cela a peut-être un lien avec les tombeaux royaux. On n'a qu'à aller voir ça. Bien sûr. Merci pour l'info, Talcott. Y a pas de quoi. Oh. Donc, t'as mal au crâne quand ça tremble. Ouais, une sorte de choc sismique sur l'organisme. Curieux. Des maux de tête. C'est quand même bizarre. Avec tous ces tremblements de terre, j'espère que le sol est quand même resté stable. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans mon stock ? Les affaires sont les affaires. Les affaires sont les affaires. À la prochaine.
Bienvenue. Vous voulez une chambre? Il est pas un peu tôt, là. Comme ça, on sera prêt. Ma sœur,